Alors non, les approches peuvent être différentes. Si l'on prend par exemple le phoque et le marsouin, donc on a d'abord réalisé des micro-CT scans, on a pu compléter ceci avec des dissections pour bien se rendre compte des tissus à l'intérieur du corps. Mais pour d'autres espèces plus petites, plus difficilement manipulables, le CT scan ne convient pas. Donc sur ces espèces, on a eu différentes approches. On s'est aidé de données sur Internet, on s'est aidé de bouquins, ou alors nous avons réalisé des dissections nous-mêmes. Nous avons coupé également dans des tissus, réalisé ce qu'on appelle des coupes histologiques. Et on a pris l'ensemble de ces données pour nous-mêmes d'abord nous faire une représentation 3D de ce qu'était l'animal. Et puis, le but du jeu a été de pouvoir l'expliquer à un infographiste qui, par définition, n'est pas un biologiste, pour que lui-même suive nos directives et réalise les dessins désirés.